squad. Turn that shit up, man. Vous voyez ça? C'est les arbitres lorsqu'on leur a demandé de consulter la VAR pour le pénalty simulé de Suarez. Les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, la lumière dans les yeux, les lunettes, mes yeux, ils sont explosés. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va pas faire la même chose qu'avec le PSG, mais il faut dire la vérité, les amis. Oui, Lyon était inférieur au Barça. Oui, Lyon avait peu de chances de se qualifier. Oui, le Barça a un extraterrestre dans son équipe qui s'appelle Lionel Messi qui peut te changer le cours d'un match. Mais les amis, il s'est passé quelque chose hier qui a aussi changé le cours du match. Quand tu joues face au Barça, t'as pas la sensation de jouer face à 11 joueurs. Tu joues face à 12 joueurs. C'est qui le 12e joueur? C'est l'arbitre. Oui, dans les premières minutes, Lyon se faisait bouffer. Lyon était trop timide. Je l'ai même tweeté. Et c'est normal. C'est le grand Barça. Ils ont un des meilleurs joueurs du monde. Ils ont une équipe de tarés. Mais lorsque j'entends, ouais, mais même si le penalty il avait pas été là, et ben ça aurait rien changé. Lorsqu'une équipe prend un but, mais c'est sûr que ça change le cours du match. Surtout que à 0-0, c'est pas du tout la même mentalité. Tu peux avoir du mal à rentrer dans un match. Et c'est ce que l'OL a eu. Ils étaient peut-être un petit peu stressés par rapport à l'enjeu. L'engouement qu'il y avait là-bas, parce qu'on sait que jouer au Barça, c'est super difficile. Un but, ça change le cours d'un match. Et encore plus quand c'est issu d'une simulation. La simulation que fait Suarez. Tu peux siffler penalty parce que c'est vrai qu'à vitesse réelle, ça va super vite. Mais à un moment donné, on a fait installer un système de vidéo qui permet au corps arbitral de vérifier sous tous les angles possibles si une faute est véritable ou pas. Comment tu peux aussi rapidement passer à autre chose? Moi, c'est ça que j'ai envie de dénoncer. Tout le monde l'a vu. Toute la planète football a vu que Suarez a marché sur le pied de Denayer qui lui-même a arrêté son geste pendant son tacle, donc il n'avait pas d'intention volontaire de faire faute, et c'est lui qui s'est empêtré sur le pied de Denayer et qui ensuite fait un saut et simulation. Ensuite le mec qui se tord par terre, il n'en peut plus, on aurait dit qu'il y a un mec qui lui a coupé sa jambe à l'épée. Ce qui était vraiment mérité sur cette situation, c'était un carton jaune pour Suarez pour simulation. Et moi, ce que je comprends pas, ça va être ça l'objet de la vidéo. Lyon s'est fait baiser par l'arbitrage, ça va être ça le titre. T'es arbitre, t'as la vidéo, t'as les ralentis, tu peux voir, tout le monde a vu. Moi devant ma télé, j'ai vu comment un arbitre ne peut pas voir. Il n'y avait pas faute, c'est impossible. Ce qui m'a vraiment choqué, moi, c'est que il n'y a même pas eu de vérification de l'arbitrage. Il y a eu penalty en une minute, c'était réglé, c'était tiré. Mais s'il avait déjà tiré, à quoi sert la VAR si dans des situations un petit peu litigieuses comme ça, il n'y a pas de vérification? On va revenir aussi sur les prestations lyonnaises parce que c'est vrai que c'était pas bon du tout. Lopez qui se blesse, qui est le rempart de cette équipe et qui vraiment m'a impressionné cette année. Ensuite, c'est toute l'équipe aussi qui n'a pas réussi à augmenter son niveau de jeu, qui n'a pas réussi en fait à trouver les joueurs dans les intervalles, dans les passes. Mais parce que bon, le sait, le stade du Barça, c'est un stade super grand, gigantesque. Il y avait des passes qui se perdaient, les transversales qui arrivaient pas. Marcelo, t'as pris le bouillon hier, mon frère. Eh, c'est incroyable ce que Messi t'a fait, mais on va en parler après. Messi, il t'a fait danser la rumba, crochet, t'es parti là-bas, lui il était déjà là, en train de dribbler. Quand tu joues des mecs comme Messi, CR7, on va mettre que deux parce qu'ils sont que deux sur cette planète. Il faut arrêter de faire des déclarations. Tu joues à l'Olympique Lyonnais, tu joues pas au FC Déclaration. Le mec, il a 5 ballons d'or. Qu'est-ce que tu viens dire dans la presse? Oui, il est beaucoup plus difficile de défendre sur Mbappé que sur Messi. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu veux l'énerver? Déjà que quand il est normal, il est au-dessus de tout le monde. Alors quand il est énervé, regarde ce qu'il t'a fait. Là maintenant, vas-y, va dire ce que t'as dit à la presse. Messi, c'est un game changer. Le mec, il a vu la veille que Ronaldo, il avait fait une prestation de ouf. Il s'est dit, ah, Ronaldo, il a mis 3 buts. Moi, je vais te mettre 2 buts et 2 passes D. Incroyable, Messi. Lui et CR7, c'est des mutants. Ils viennent d'une autre planète. Faut arrêter les phrases du style, ouais, aujourd'hui, je pense que je peux m'asseoir à la table de Messi ou CR. Eh, personne peut s'asseoir à leur table. Il y a une table. Et après, il y a des serveurs. Les autres, c'est des serveurs. Mais il y en a que deux qui sont assis. C'est Messi et CR7. Pour revenir sur l'arbitrage, vous savez pourquoi j'ai trouvé ça super chelou? Quand Lyon a marqué un but tout à fait normal, les mecs, ils ont essayé de faire inventer un hors-jeu. Ils ont analysé la situation pendant presque 7 minutes. J'ai compté un potentiel hors-jeu ou une potentielle faute. Là, il y a un penalty. On connaît Suarez. Les arbitres connaissent Suarez. Ils vont quand même prendre le temps d'analyser la situation parce que tu peux pas donner un penalty aussi facilement. Tu connais Suarez. Moi, je suis arbitre. Normalement, je prends vraiment le temps pour analyser la situation. En une minute, c'était réglé le penalty. Et Toussard qui a marqué son but tranquille, sans aucune pression, sans rien, aucune faute ou quoi, ils ont mis 6 minutes à analyser le but. Comment tu veux pas croire que justement il y a un problème avec l'arbitrage et que les équipes comme ça elles sont avantagées? Pour toutes les personnes qui vont dire, ouais, mais Just arrête, vas-y, comment vous le justifiez? Comment vous justifiez que le penalty ça se règle super vite et que Toussard son but où il y a rien, ils mettent 6 minutes? Donc voilà, plein de trucs comme ça incompréhensibles et on va rester dans l'incompréhension. Eh, l'Olympique Lyonnais, je suis pas en train de dire que vous méritiez la victoire, je suis pas en train de dire que ça vous a été volé. Il y a une situation litigieuse qui a conduit à un
un défoulement après. Mais les gars, vous avez des joueurs qui parlent trop. Depay, ça fait je sais pas combien de temps qu'il nous prend la tête. Oui, j'aimerais jouer dans un plus grand club. Mais frère, tu joues à Lyon, t'arrives même pas à faire la différence. C'est quoi, je vais même pas parler. Les supporters lyonnais, qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Franchement, face aux grosses teams, il est pas là. Et malheureusement, c'est de ces joueurs-là que t'as besoin. Tu vois, ces joueurs clés qui sont censés normalement augmenter leur niveau de jeu dans des compétitions européennes comme ça. Mais hier, il a été inexistant. Grosse prestation de Lionel Messi qui a changé le match à lui tout seul. Il est incroyable ce joueur. Victoire totalement méritée du Barça. Mais la vidéo, elle va s'appeler comme ça. Lyon s'est fait baiser par l'arbitrage. Ils auraient de toute façon perdu. Mais le premier but, tu ne peux pas faire ça. Tu renvoies quoi comme signal en fait aux autres équipes? Et tu n'auras jamais un arbitrage neutre. C'est ça que ça a renvoyé hier. Faut le dire, faut parler. Pourquoi tous les joueurs ils sont testés H24 et les arbitres, il n'y a jamais rien? Tu peux rien dire sur les arbitres. Ils peuvent parfois faire des erreurs. On aurait dit les arbitres, c'est les dieux du foot sur terre et c'est eux qui dictent le truc. Le corps arbitral d'hier sur penalty, je suis désolé, faut l'analyser. Parce que c'est pas normal. Il y a aucun mec qui fait du foot qui a donné penalty à Suarez. Il y a que eux. Alors comment tu l'expliques? Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui comprendraient pas, je suis pas du tout en train de dire que Lyon aurait gagné sans ça. Lyon était en dessous, le Barça était supérieur, Messi est incroyable. Mais sur ce premier but, il y a un gros problème. La VAR pour l'instant, c'est vraiment pas efficace. Et je veux votre avis sur ça. Bref, c'est votre boy Joss. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, laissez des pouces bleus. On se retrouve là dans 2 heures. Il y a 2 vidéos qui sortent aujourd'hui, donc restez connectés. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Cette fois-ci, on va parler musique. Allez, see you next time, guys. Peace out. Ciao.